Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du God of War, comme vous pouvez le constater. Et avant de commencer, j'aurais quelques petites choses à vous dire. Effectivement, j'ai peut-être vu un petit peu gros avec le planning. Honnêtement, je peux pas assumer toutes les vidéos, je vous le dis très clairement. Donc je retire le planning. Il n'y a pas de planning. Donc je vais enregistrer des vidéos comme ça. Alors c'est possible, là par exemple, je joue à God of War, je vais peut-être faire 4-5 vidéos. Alors peut-être que vous aurez 4-5 vidéos de God of War à la suite. Hein. Peut-être pendant une semaine vous allez avoir que du God of War. La semaine prochaine vous aurez d'autres choses, ainsi de suite. Ça sera vraiment par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce que autant j'arrive à mettre. Effectivement, le projet était intéressant, cependant, beaucoup de vidéos, des jeux différents, pas assez de temps, puisque bon, quand j'ai mis en projet, j'avais une petite semaine de vacances, donc c'était faisable pour moi. Pensez qu'en plus à cela se rajoutent les streams, les lives, donc 3 lives par semaine, ça commence à être un petit peu pesant du point de vue fatigue. Voilà. Donc c'est pas jouable pour moi. Donc je préfère clairement vous le dire tout de suite. Bah, je vais reprendre un petit peu le système que je faisais avant. C'est-à-dire que je vais faire des vidéos. Je vais enregistrer. Là, j'ai envie de jouer à God of War. Je joue à God of War. J'aime pas me forcer en fait. Plus je vais me forcer et moins je vais apprécier le jeu. Et si j'apprécie moins le jeu, bah, ça se ressent. Puis au bout d'un moment, je me lasse du jeu. Donc hop. On lance l'aventure. Alors, si je me rappelle bien, on était sur une rivière. Et aussi, une des choses qui est un petit peu dommage, c'est que en me forçant, enfin, c'est même pas une question de forcer, mais par exemple, God of War, à la base, vous avez un épisode par semaine. Sauf que il y a des moments où j'ai envie de jouer, pas forcément longtemps. Parfois, j'ai une demi-heure. J'ai un trou d'une demi-heure où je peux me poser, tout ça, et où j'aimerais bien, hop, voilà, je lance God of War pendant une demi-heure. Ça m'irait aussi, quoi. Je veux dire, parfois, j'ai pas besoin de jouer pendant 3 plombes, pendant 3 heures, même si j'avance moins et que je j'avance pas énormément. Ça serait déjà pas mal. Alors, juste un petit truc qu'on m'a fait remarquer. Allez dans les options. Alors, on m'a dit que pendant les combats, on n'entendait pas trop ma voix, que le son. Donc, on va. Je vais mettre à 60. Tout. Et vous me direz une fois que vous aurez eu cet épisode. Si c'est mieux ou s'il faut remonter le son ou est-ce que voilà hein, donc ok voilà bon est-ce que le petit con il va être un petit peu plus efficace maintenant? Alors, je les vois déjà, hein, ceux qui disent ouais, abusez pas, c'est pas fatigant, vous jouez. Ce que vous faites, c'est jouer. C'est pas non plus. Je vais aller au coffre là-bas. Comment je fais? À croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il n'y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois, ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu étais malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Bon, allez, vous savez quoi? Ça m'emmerde, mais tant pis.
Ah, c'est connu, hein, la mer c'est dégueulasse, hein, les poissons baissent dedans. Hein. Aller par là. Ah bah on voit une lumière là-bas. Beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois. Et là, c'est la montagne. Regarde. Cool. Ce bâtiment relie le pied de la montagne. Il est excité, le gamin. Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein. Il y a même un quai. Là, à côté du drapeau. Bon. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? C'est un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. D'ailleurs, si vous aimez... Attendez. Je sais pas, il m'apparaît plutôt grand. C'est là depuis combien de temps? Depuis très longtemps. Un truc qui brille là. Ah, comment on prend déjà là? Ok.
Quand... Tiens. Il y a quelque chose en dessous. Je peux pas. Je peux pas. Ah, peut-être que la hache n'est pas assez puissante ou j'en sais rien en fait. On verra bien. Donc oui, j'allais vous dire. D'ailleurs, si vous avez Netflix et que vous n'avez pas vu la série Ragnarok et que vous aimez tout ce qui est légendes nordiques et compagnie, je vous la conseille. Elle est sympa. Elle est sympa. Je vais pas vous dire qu'elle est méga géniale, que c'est un truc de fou. Mais c'est plutôt c'est pas mal. C'est le chemin pour la montagne. Il semblerait. Ce serait pas notre grand balai de barbu et son avorton. C'est justement quelque chose pour vous. Brock. Mais comment as-tu... Mêle-toi de tes oignons et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. Et pas la peine de lorgner sur mon coin. Je l'ai vu en premier. D'accord. Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dis. Donc on repasse en mode magasin. T'es où? T'es là. Ok. Bizarre ce truc. Dépêche-toi, tu vas voir, ça va te plaire. Ok, j'arrive. Attrapé. Vous voyez ce tas de pierres? Grâce à cette clé d'Yggdrasil, vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'arbre monde. Une sorte de raccourci entre les royaumes. En croisez au cours de votre voyage, utilisez-les pour revenir me voir rapidement. Mais ça ne fonctionne que dans un sens, et ça ne vous mènera qu'ici. Oh, et très important, ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Non, je vois pas pourquoi on ferait ça. Ok. Donc maintenant, on a... Allez, on se met au travail. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme le reste de l'équipement, les pièces d'armure peuvent être améliorées. Dans les ateliers, appuyez sur pour sélectionner le menu amélioration. Ok. Améliorer une pièce d'armure augmente ses stats, son niveau de puissance et permet d'ajouter un emplacement d'enchantement. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok, bon. Enchantement. Artefact. Objet perdu, d'accord. Artefact, qu'est-ce qu'il y a? Masque Sior. Ah oui, merde, c'est ce que je... D'accord. Je suis sûr que tu te sens soulagé. Enchantement. Ah, ça c'est... Ah oui, d'accord, vendre. Ok, acheter. J'ai pas vu. Symbole de menace. C'est un enchantement qui améliore la vitalité de 3. Ok. Un enchantement qui améliore la récupération de 3. Un enchantement qui améliore les runes de 3. Et symbole des ombres. Un enchantement qui améliore la chance de 5. Ok. On regarde avant. Hein. C'est vrai que... Donc, H Léviathan. Est-ce que je peux... augmenter, je ne peux pas forcément. L'arc, je ne peux pas. Carquois serre, qu'est-ce que ça fait? Améliorer, réduit le temps de rechargement des flèches. Ok, d'accord, pourquoi pas. Protection de torse, donc ça je ne peux pas. Ah si, je pourrais améliorer. Et talisman, c'est quoi ça?
Les talismans ont des effets uniques qui peuvent vous aider au combat. Vous pouvez les améliorer dans l'atelier pour accroître leur efficacité et accélérer la récupération de certaines capacités. Ah oui. Ok. Donc c'est le machin. De toute façon, j'ai pas les ressources. Machin, L1 rond, octroie un regain d'énergie. Effectivement. Ok. Et on retourne là. Protection torse. Je n'ai pas. Protection avant-bras. C'est quoi que j'ai moi? Comment je sais? Ah non, j'ai aucun des deux en fait. D'accord, tant pour moi. Donc là, ça augmente la force et ça augmente la défense de 1. Et le premier, ça augmente uniquement la défense. D'accord. On va d'abord tout regarder. Hein. Protection de taille. Ceinture du pillard. Mais c'est pas ce que j'ai ça. 9, 1. 5, c'est la même chose. Voilà. Alors, pommeau de hache. Pommeau d'armes. Vous pouvez doter vos armes de pommeau. Chaque pommeau augmente vos stats et confrère des atouts uniques en fonction de vos actions au combat. Vous pouvez améliorer les pommeaux pour augmenter leurs stats. Ok. Récupérateur du tireur. Forte chance d'obtenir un atout grâce de récupération à chaque lancer de précision réussie. C'est pas trop mon... Ah si, merde, je pouvais comparer, j'avais pas vu. Ok. Manche de récupération lestée. Ah oui, d'accord. Plus 1, plus 4. Plus 3, plus 2. Ok. Forte chance d'obtenir un atout grâce à récupération. Au coup de fin, on doit réussir. Plus 1, plus 6. Manche une courbe. Faible chance d'obtenir un atout grâce runique à chaque lancer de précision réussie. Et forte chance d'obtenir un atout don de force à chaque coup de fendoir réussi. Ça peut être sympa ça. Plus 3 de force et plus machin. Mais en fait la question est... récupération. Donc récupération, c'est la... C'est les pouvoirs magiques. Si je me rappelle bien. Je suis con, j'ai juste à faire ça. Voilà. Réduire le temps de récupération des attaques runiques, les invocations runiques et les talismans. D'accord, ok. Autant fond. D'accord. Talisman. Octroie une variable d'invincibilité pendant plusieurs secondes quand la santé de grâce atteint un niveau critique. Oh! Autant un bref bonus de force quand c'était... Ouais, ça serait mieux ça. 3000. Alors attendez. Protection de torse. D'accord. Gagnerait un emplacement, ça coûte 750 d'argent et 2 aciers doux, silver, je sais pas quoi. Et ça gagne 2 en force, 10 de défense. Je suis sûr que ton sourire de vainqueur te protège, mais pourquoi prendre le risque? Ok, maintenant il faut de l'acier, il en faut 8. Du coup, je me suis niqué toutes les sources pour les autres trucs. Car quoi sert? On va quand même l'améliorer. C'est peut-être une connerie. Mais je pense que le gamin, il doit bien servir à quelque chose à un moment donné. Parce que là, honnêtement... Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit? Besoin d'autre chose? Ah, je devais attendre, je ne peux pas. Donc là, on revient vraiment d'en fabriquer. Armure Artreus. Protection de la taille, pommeau de hache.
toutes les trucs. C'est quoi que j'avais vu tout à l'heure? Talisman, je crois. Talisman, puissance inébranlable. Non. Autre, une barrière d'invincibilité. Ouais, ouais, attendez. J'ai quoi? Talisman de vitalité concentré. Ah, je peux pas. Sérieux? Ah, c'est chiant. Bon, on va changer le pommeau de la hache. Alors, est-ce que c'est mieux les pouvoirs magiques? Runique. On augmente les dégâts infligés par les attaques runiques et les dégâts élémentaires. Attendez. Parce que... Bonne chance avec tout ce saccage. Attendez, parce que en fait, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que quand tu vas dans... persévérance, niveau de défense plus 2. Ok, ouais, enchanté. Ok, c'est pas ça que je voulais voir, mais les compétences, voilà. Ok, donc dans les compétences, j'ai pas encore assez de points. Ça, c'est quoi déjà? Explosion glaçante. Ah oui. Voilà. Réduit le temps de charge si j'ai 100 de récupération. 125. Récupération. Rune. Rune. D'accord. D'accord. On va voir le suivant. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Non. Donc il y a quoi? Il n'y a rien. Défense, d'accord. Quoi j'ai? Okay. Ah, je l'ai pris ça deux fois. Eh non, ouais, je l'ai acheté. Défense, 300. Ça peut être intéressant ça, mais bon. Ok. Et ça, c'est le petit con. D'accord. Donc on a vu qu'il y avait défense et runique. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois? Alors attends. Promo de hache. Je vais mettre un truc, mais je sais pas quoi. Force, récupération. Donc on a vu qu'il y avait pas mal de choses en récupération. Rune. Ah, c'était plutôt dans défense. Coup de fendoir réussi. J'hésite. Entre un coup de force. Force 6, récupération 4. D'accord. Rien de tel, il faut prendre la boire.
intéressant. D'accord. Ça sert. Il y a un truc là-bas. Ça a servi à quoi de monter là? Oh, je sais pas, c'est chelou. Pardon. Des ennemis. Combat avancé, Arteus, Atreus. Atreus est plus sûr de lui lors des combats. Il peut désormais aider Kratos en attaquant physiquement les ennemis quand il voit une opportunité. Ses capacités peuvent être améliorées dans le... Oh putain, ça y est, enfin! Ah, oh, c'est nickel ça. Ok. Je connais pas ces runes. Si on retrouve le code, je pourrais les traduire. Ok. Et ça. Il y a un bateau en bas, une chaîne. C'est dommage qu'on voit pas très très bien, je trouve. D'accord. Bon, ils veulent que j'aille là, hein, donc on y va. Petit. Oh. Okay.
mort, c'est bon. Ok. De l'argent. Ah, mais t'as peut-être quelque chose à ramasser en fait. Je sais pas. J'arrive toujours pas à les lire. Tu m'emmerdes. Tu vas me dire la même chose. J'arrive toujours pas à les lire. Vas-y, va te faire. Bip. Quoi ça? Ça pue. Du poison. Bah non, pas par là alors. Là, Atreus, donne un autre. Regarde, c'est le serpent monde. Okay. Il est beaucoup plus grand que j'imaginais. Oh, regarde, il a mordu Thor. Ok. D'accord. Truc là-haut là. Tu le pétais. Ça a pas l'air de marcher. Bon, on peut pas faire quelque chose genre je peux tirer dans ça déjà. D'accord, ça annule le poison, c'est ça? On passera. Grimper là apparemment. C'est quoi ça là-bas? Je peux taper dedans aussi. Ah, je peux pas taper dans le sphère. Ça. Je peux rien faire. D'accord, je peux rien faire. Juste monter. Oh, c'était quoi exactement? L'odeur est épouvantable. Ta mère les appelait des poteaux d'infamie. Ils libèrent du poison. C'est elle qui m'a appris à les neutraliser.
Quoi? C'est drôle de penser qu'elle ait pu t'apprendre quelque chose. C'est vrai. J'ai pas été de l'autre côté du coup. Bon, c'est pas grave. Ah si, ça l'est, mais bon. Pas grave. Contrefort. Wow. Y a du brouillard par ici. Un autre nom? Est-ce qu'on... Non. Ah, ne fais pas attention à lui. Excuse-moi, mais... Où as-tu trouvé cette hache? Ça ne te regarde pas. Oui, je te le concède bien volontiers, mais je connais cette arme. C'est une de nos œuvres, mais... Nous l'avions faite parfois. Pardon. Et garde-toi. C'est impossible. La femme pour qui on l'a faite, j'étais... Je suis très attaché à elle, et je serais vraiment très chagriné si je devais apprendre que... tu lui as fait du mal. C'était à ma mère. Elle l'a donné à mon père avant de mourir. Faye est morte. Je suis vraiment navré de l'apprendre. C'était une valeureuse guerrière. Et une femme admirable. Très bien. Alors, je suis d'accord pour améliorer. Mais... on te l'a jamais demandé. C'est vrai, mais... Elle m'aurait supplié de réparer cet acte de vandalisme perpétré contre sa hache, par mon... frère. J'en étais sûr, t'es le frère de Brock. L'autre moitié de la marque est ici. Le nabot bleu est ton frère. Oui, mais je suis bien plus talentueux. Je te le jure. Sur la tête de Freya. Wow. T'as pas peur de jurer sur la tête d'une personne morte? Ne dénature pas son travail. Contente-toi de le perfectionner. D'accord. Mais tu peux la poser par là-bas. Le manche non. Est... Ah, c'est... Comme tu voudras. Je vais simplement... du sang séché. Oh. Sur quoi tu travailles? Oh, ça? Je l'appelle le mont de sommet. Le pic de cette montagne recèle quantité de ressources rares. Quand je l'aurai creusé, il me faudra les redescendre. Et tu sais comment le réparer? Je n'en ai pas la moindre idée. Là, tu l'as juste nettoyé? Des glaces. À peu près. Mais pourquoi elle? Comment vous l'avez connue? C'est elle qui nous a trouvés la première fois. C'était une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Nous y avons vu une occasion de donner du pouvoir à quelqu'un qui l'utiliserait pour faire le bien. Elle parlait même notre langue maternelle. Elle nous a dit Mavurin Samgengu Egin Vegumans Gengul Ai. C'est ça. Impressionnant. Je vois beaucoup d'elle en toi. Merci, Sindri. Touche pas. Quoi? J'ai rien fait. Pardon. Je reviendrai plus tard. Ok. Bon, sur ce. Alors, je vais enregistrer tout de suite un autre épisode, donc je mets en pause. C'est toujours aussi sympathique. Alors, j'ai quelque chose là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que j'ai changé. D'accord, ok.
Ok. Est-ce que du coup, on se ferait pas un petit tour de compétences? Alors, soit on a l'espèce de truc bizarre là qui nous fait tourner la hache sur elle-même. Est-ce que ça peut être un maintenir R1? Ça peut être intéressant, n'empêche. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Rage spartiate. En rage spartiate, maintenez R pour donner un coup de poing qui propulse violemment l'ennemi en arrière. Ouais. Et petit con. Donc ça c'est quoi? Alors, augmente la cadence de tir de l'arc de serre. Ouais, c'est vraiment utile. Est-ce que ça serait plus intéressant? Je sais pas. On va prendre ça quand même. Va bien falloir se décider. Donc sur ce les démons, on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, je vais en tourner plusieurs, je vais faire les montages et ça viendra, ça coule de source. D'accord? Comme c'est pas trop, je suis pas trop embêté par l'upload, puisque l'upload est très rapide maintenant vu que je suis en fibre. Je vais essayer de. Je sais pas comment faire. Parce que je vous avoue, hein, parfois je rentre le soir, j'ai pas envie. Pour ceux qui savent, la semaine dernière, normalement on stream le mardi, on a stream le lundi. Donc ça fait que j'ai été bosser, je suis rentré, j'étais faire une petite sieste, j'étais faire des courses, ensuite on a stream au soir. Donc après il y avait quand même une espèce de fatigue. Déjà qui se cumulait. Le lendemain, bah, c'était pareil, je commençais assez tôt, donc j'ai pas pu enregistrer après le stream. Et au soir, par la suite, on était invité à un anniversaire, donc j'avais ma journée de repos le mercredi, donc c'était compatible. Donc du coup, on a été à l'anniversaire, sauf que ça s'est terminé très tard, on a dormi là-bas, et on est rentré en fait que mercredi après-midi. Assez tard, donc il y avait la fatigue qui commençait à jouer. Je vous avoue, pour ma part, j'ai laissé Miss s'occuper des enfants. Moi, j'étais me coucher, j'en pouvais plus. Et je dis rebelote, travail et compagnie. Donc, comprenez que parfois le soir, j'ai pas forcément la motivation de faire une vidéo. Jouer n'est pas fatigant en soi. Faire des vidéos sont et autre chose, puisque bon, bah, on parle un petit peu plus. Machin, même si moi c'est vrai qu'il y a des longs moments où il y a des pauses parce que bah, je vais pas vous asséner de dialogue alors que ça ne sert à rien et je ne sais pas trop quoi vous dire en même temps. Donc voilà. Donc là je vais peut-être enregistrer, je sais pas, 2, 3, 4, je sais pas, hein, selon le temps que j'aurai envie de jouer. Peut-être que j'enregistrerai d'autres jeux et que j'enregistrerai potentiellement au fur et à mesure dans la semaine. Enregistrer, faire le montage, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais dites-vous que vous allez avoir beaucoup moins de vidéos, beaucoup moins de d'auxiliaires not included, beaucoup moins de Shelter 2 aussi. Vous allez potentiellement avoir un peu de Naruto, je pense, parce que bon, j'aime bien mine de rien, c'est sympathique, sans plus. Je préfère être honnête avec vous, hein. Le jeu est sympa, mais voilà, ça reste sur le côté de. Je vais être le meilleur machin et tout ça, donc j'ai un peu du mal avec ça, surtout c'est des combats machin, et comme on a pu constater, c'est assez bordélique, je trouve, au moment des combats. Ensuite, l'autre, j'en ferai, mais peut-être de plus en plus rarement parce que bah, j'ai pas le temps, et puis l'autre, c'est vraiment un jeu qui demande énormément de temps. Donc voilà, ça reste compliqué. Et Shelter 2, bah, je vais continuer, hein, même si on est assez mal barré. Et comme je vous ai dit, là en ce moment, j'ai surtout envie de jouer à God of War. Donc c'est pour ça que vous risquez d'avoir un petit peu plus d'épisodes de God of War. Et on va revenir sur le thème de une vidéo par jour.
et non plus une, parfois deux vidéos, machin, tout ça, ça fait trop pour moi enregistrer, c'est trop jeu différent et tout ça. Bref, sur ce, on se laisse là et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche. Important la cloche, ça vous permet d'être au courant des vidéos. Comme là, en plus, ça va être un petit peu le bazar. Ça va sortir comme ça sortira. Donc n'hésitez pas, surtout qu'il va y avoir les jeux du mois qui vont bientôt intervenir. En plus, je sais même pas c'est quoi. J'ai pas fait attention, je sais même pas si PlayStation France ils ont fait leur vidéo. Et puis voilà, hein, et partagez sur les réseaux sociaux si vous pensez que le contenu peut intéresser quelqu'un d'autre. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.